objectif principal, c'est de réduire la vulnérabilité des populations de la ville de Cotonou face aux inondations, à travers notamment la construction de 49 km de collecteurs primaires et 100 km de collecteurs secondaires et tertiaires, 49 km de voirie, à travers également la réalisation de bassins de rétention au nombre de 7. Mais le programme prévoit également la réhabilitation de 2 écoles, du renforcement des capacités et une composante axée sur la gestion. C'est un programme qui permettra de créer 4 000 emplois directs, environ 16 000 emplois indirects, et qui va régler les problèmes d'inondation. Nous espérons que les riverains, les populations qui subiront quelques impacts, nous accompagneront quand même en respectant les consignes qui leur seront données, notamment en matière de respect des déviations et des consignes de sécurité qui seront affichées au niveau des différents chantiers.